Salut tout le monde! Donc nous voici sur la route pour Walibi Hollande, après une étape à Omen dans un hôtel vraiment sympa. Et aujourd'hui nous allons tester Untamed, le nouveau RMC. On a hâte. C'est seulement notre deuxième, hein. Notre premier c'était l'Annie World d'Hollywood. On a vraiment hâte. Nous sommes dans la nouvelle zone Wilderness à Walibi Hollande. Donc vraiment une zone retapée et super jolie. Un petit top spin sur votre gauche. Bon, je sais pas si on le fera parce que nous on est vraiment pas trop fan de ça. On vient plutôt ici pour les montagnes russes. Là au bout et voilà. Ta ta ta. RMC. Il marche en plus. Ouais, ah bah ça va ouf. Parce qu'hier il était fermé, ouais. On avait un peu de crainte sur le fait qu'il soit ouvert aujourd'hui et tout va bien. C'est joli. Ça c'est une maison hantée, non? Non, c'est une madhouse de Vekoma. Berlin. Juste avant, on avait fait Untamed, Goliath, c'est pas mal. C'est un hyper coaster avec quelques airtimes qui sont vraiment intéressants. En tout cas, ça speed bien, ça vibre pas trop malgré l'âge. Et on se dirige vers d'autres roller coasters. Enfin, je trouve que les airtimes, ils sont plus hauts, ils sont plus importants que dans Untamed. C'est plus intense. Et après, sinon, il n'y a pas d'inversion. Hein. Voilà, donc Untamed, on le refera à un moment dans la journée. On ne sait pas encore exactement quand, en fonction du monde. Et mais en tout cas, Untamed, vraiment vraiment sympa. On n'a pas le temps de respirer, ça n'arrête pas. La déco est top, la musique est vraiment bien, c'est super bien fichu. Même l'intérieur de la gare est hyper décoré. On vous montrera du coup quelques photos. C'est fait avec de la récup, c'est pas mal. C'est pas mal. Petite Enterprise, GeForce. La tour de chute qui est fermée. C'est bien dommage. Je
Alors ça, faut que je vous montre. C'est typiquement hollandais. J'en avais déjà vu à Efteling. C'est un distributeur de fricandelles et de croquettes. C'est super rigolo. Il y a vraiment que les Hollandais pour faire ça. Il y a pas mal de petits stands de jeux. Hier à la Movie Park, la clientèle était beaucoup plus familiale. Ici, c'est plus les ados, et beaucoup de bus d'adolescents en fait. À gauche, le château de Merlin, la Madhouse de Vekoma. Nous arrivons dans la zone mexicaine. À gauche, un petit parcours d'auto-tamponnante. Un petit parcours pour les petits. Ah. Et la montagne russe inversée de Vekoma, El Condor. Je pense que c'est la toute première qui a été construite en Europe. Et elle est en test. C'est un petit restaurant. C'est assez joli. Petite scène. Condor qui est vraiment super douloureux, c'est terrible, c'est vraiment de la merde. C'était terrible par rapport à hier à Movie Park. Movie Park, ça passait comme une lettre à la poste, mais alors là, ça tremble même dans les lignes droites, c'est hallucinant. Voilà, faut qu'il rase. Los Sombreros, je pense que c'est un vomito. Ah bah oui. Ah, c'est pas pour moi. C'est pas pour nous. Bon après c'est pas, ouais, c'est pas très rapide mais bon. Ouais, en fait je pensais que ça allait tourner plus vite que ça. Tu veux le faire? Ouais, ça a pas l'air de l'être quand même. Non. Le petit parcours de bouée. Je pense que c'est Crazy River, il me semble.
serait trempé. Ça va être bien. Julien adore être mouillé. Donc le parcours de Bouet, c'est El Rio Grande. Donc c'est pas Crazy River. Je pense que c'est peut-être les bûches qui s'appellent comme ça. Ça s'appelle Crazy River. Ouais, je pense. Sortons de la rivière des Bouées, c'était assez moyen, pas beaucoup de décors, mais de la musique, et on n'est pas vraiment sorti mouillé, hein. Juste le short légèrement humide. Là on se dirige juste à côté de la grande. On fera sûrement un tour après pour filmer un peu les alentours du parc. On va aller tester plateforme 13. En gros, c'est juste comme le Rock'n'Roller Coaster des studios de Paris, sauf que c'est en extérieur, il n'y a pas du tout de bâtiment, sauf la file d'attente qui est thématisée, je pense sur une station de métro. Voilà ce que ça donne. En tout cas, le parc est vraiment joli, bien fleuri. Je m'attendais pas autant d'un Walibi, vraiment surpris. Là, nous entrons dans le bâtiment près de l'entrée. Là, on se trouve la plateforme 13. C'est juste l'entrée à droite. Ah non, c'est Express. Non, c'est pas toi encore. Express, c'était l'ancien nom, je pense. Donc, on va aller tester ça. Alors nous sortons de Speed of Sound, c'est un boomerang de chez Vekoma qui fait très mal, comme tous les boomerangs, et c'est juste avec de la musique embarquée. Bon, c'est pas un thème qui nous botte, hein, mais voilà. Classique chaise roulante. Une petite salle d'arcade. Un petit splash battle. Ah, ça va loin. Alors là, nous avons Spinning Vibe. Là, c'est un gros gerbotron, il n'y a pas de souci. Ah.
Walibi Playland, la zone des Tutsi, avec plein de petits manèges rigolos. On arrive tout près de Lost Gravity, un Mac Big Dipper. Un autre flat ride, Tombow. Que nous ne ferons pas non plus. Neurogène, je pense que c'est une expérience avec des lunettes. 3D. Et là, on va faire le petit Draco. C'est un montagne russe Zierer pour les enfants. Oh, il n'y a personne, donc on va faire tout de suite. Ouais. Nous allons tester Lost Gravity. C'est une déco sympa. Lost Gravity, c'est vraiment super. C'est vraiment top, c'est hyper énergique, la musique est bien, les décors sont marrants, il y a pas mal d'inversions. Donc vraiment, vraiment sympa. À tester. Nous allons maintenant faire un tour de rondin. Ça doit être le même parcours qu'à Walibi et Belgique, je suppose. Julien, comment tu viens?
fait le tour du parc. Depuis quelques minutes, je pense qu'il va y avoir une panne, mais il se passe pas grand chose. Donc on attend. Beste gast, voor je eigen veiligheid, blijven zitten alsjeblieft. Lieber gast, zu ihrer eigenen Sicherheit blijven Sie bitte sitzen. Dear guest, for your own safety, please remain seated. On attend le technicien. Alors c'est sur ce tour de grande roue que se termine notre journée à Walibi Holland. Qu'est-ce que t'as préféré ? Untamed, bien sûr. Quand je me rapproche pour le son, vas-y. Untamed, bien sûr, c'était super, super intense. Surtout là, donc là on vient juste de le faire au premier rang et les airtime c'était beaucoup plus puissant à l'avant. Ça m'a vraiment rappelé Lightning Rod avec la même intensité. Les inversions toujours aussi bien, enfin, c'est vraiment un circuit top. Pourtant il n'est pas très très haut, mais il est vraiment très très bien. Très bien. Et ton deuxième choix ? Goliath. Goliath quand même. Il y a beaucoup d'air times. C'est une sensation de vitesse incroyable, parce que la montagne russe longe quand même assez les lacs de très près. Et après on a... d'Artemis aussi à l'intérieur, vraiment bien. En troisième, c'est Lost Gravity, qui était vraiment rigolo. Alors, le t-shirt Untamed. Maxime, à combien est le t-shirt Untamed ? Il est à 24,95. Et il est vraiment pas mal. Je trouve que c'est un beau t-shirt. Sur le thème de la nature, du coup. Ce qui est très bien, mais il fait quand même 45 euros. Hein, donc... Thank you.